Hello. Lupi non bibe la bilo kolia. Bon il a ta bilo kwa États-Unis. Oni koko mama bona bona bo jeunesse. Mon États-Unis. Tata yo ki kole la nabino. Atinde libino. Maman Samira. Ndenge aux ala kan États-Unis au kole le kola mutwaza na mombele. Le kola mutwaza na ngaba. Merci mon bibe. Wow! C'est mon bouche. Bana États-Unis. Kolia bio et komi lolenge na bino. Bona kozwa, mbisi ya kokauka, tope mafuta ya mbila. Che mama Samira. Ata ozali na posa, yambinzo, ndakala, mayebo, safu, ezali, pebitoyo. Che mama Samira, mansom azali. Eloko moko te yo koluko komonate. Nandenga va bete, bona kozwa bilo kwa detail. Yoka numéro, numéro 938, avenue Maurice, na New York. Adresse. Il y a entrepôt 12 40 avenue Randol dans les banques. Tala yoko banda koteka misia kokauka mongusu mafuta mbila et kokoma lokola bazoka na yo. Yeah yo kombone mama Samira makiambae. Plus précisément, la carte de Washington. Balobi, maman Marthe, né. Maman Marthe, né. Balobi, shop, Africa Union. Mais toi, t'es un gnosso. Bilo, il y a un gnosso congolais. On y dit, mais qu'on a eu à ça, il s'est ajouté. Pour la Corée, on a eu, 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 Bio Africa Union et toi t'es là. Tout ça pour sinon vous voyez pas y a du non vous voyez rien. Mon commandant. Mais quoi là on est là. Alors t'es là bloqué y a fresh. Y a bio. Bio na bio. Bio na bio. Si on a mangé bio, pour mon canja y sali. Barubi nous voyons y a ri. En Cuba paniwa. Barubi en canja y sali. Ça commence à y être un poto y a mis ça. Barubi n'y a pas y a pas tout y a mon commandant est là gagné. Galan galon des galan na bas. Na soutou Eza Kodia na Peti. Bon maman Marde. Ya solo. Bon pas tout comprendre te. Mawa. Bon Congolè. Où allons-nous? Où allons-nous? Bon na Kodia na Pino Moko. Bon Kodia na Pino Moko. Kodia na A Peti. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bienvenue, merci de suivre Face à Face. Ça va être le premier numéro de Mine depuis que l'année a commencé. Oubliez tout ce que moi j'ai dit dans Critique Info. C'est rien par rapport à ce que vous allez entendre aujourd'hui. Je reçois un ingénieur, un gestionnaire, un connaisseur dans le secteur minier. Toute sa vie, il a dédié dans le mine. Je veux même dire qu'il a commencé dans le mine. Il est né dans les mines. Il n'a connu rien d'autre que les mines. Au point que même quand il quitte les RDC, là où il va, c'est toujours dans le mine. Et c'est des gens qui regardent impuissamment ce pays en train de s'effondrer alors qu'il a tous ses potentiels. Mais qui va les écouter pour mettre en place des mécanismes sérieux pour remporter? Je vais vous dire sa thèse. Déjà, pour que vous ayez une idée, sa thèse est une, mais alors une seule. Sans les mines, ce pays ne va pas relancer toutes les activités. Il ne dit pas que c'est grâce, il ne dit pas que c'est les mines ou rien. Non, il dit d'abord, s'il faut commencer, c'est par les mines qu'il faut aller. Qui est-il? Ingénieur civil en chimie industrielle, diplômé en finance. De, bon, ça devient en anglais, de Wish Business School. Ça, c'est compliqué, va nous le dire. 9 ans en Gécamine, où il a, à Gécamine, où il a spécialement travaillé sur le cobalt et le cuivre. Il a été en Australie, en Afrique du Sud, au Canada, en Zambie. 35 ans d'expérience dans les grandes mines du monde. Record d'impact sur le bénéfice en 2010 dans le projet Frontier, je crois qu'on va en parler suffisamment. Auteur en 2004 de Défi de Gécamine, 2019 Gécamine de Yuma. Alors je vous présente directement
Sans plus tarder, Défi de Gécamines, c'est un livre déjà sorti en 2014. Ce livre, un merveilleux livre où on parle essentiellement de la question de la gouvernance des mines et puis le rapport qui fait mal à plusieurs personnes que l'on a traité des tracts et c'est ce rapport. Ce volumineux rapport, Yuma, que je me suis fait le plaisir de le lire. Pourquoi ne pas recevoir tout de suite M. Ngoï Mouchila? Comment allez-vous? Nous allons très très bien. J'apprends beaucoup de vous. Vous savez, votre rapport, mais il est tout simplement fabuleux. C'est un plaisir de vous rencontrer, d'être votre invité aujourd'hui. Et avant tout, j'aimerais saluer tous vos nombreux abonnés. Oui. Parce que je crois que ça doit être le groupe d'abonnés le plus intelligent du pays. Je pense. Pour vous suivre, il faut de la qualité et beaucoup de hauteur. Alors, merci beaucoup, Monsieur Raphaël. Vous, avec vous, c'est comme le sucre. On ne sait pas quand ça finit. Donc, on sait quand ça commence, mais on ne sait pas quand ça finit. Alors, je ne m'aiderai perdre aucune seconde. On y va tout de suite. Avec vous, nous voulons parler de l'histoire de nos mines d'abord. Oui. On parle d'un pays scandaleux, géographiquement. Vous dites même qu'on sommes un scandale minier. Alors, je voudrais qu'on l'on dise, est-ce que c'est des histoires ou c'est de la vérité? Si c'est de la vérité, parlez-nous un peu des mines congolaises depuis l'époque coloniale jusqu'à aujourd'hui. Nous entrons dans votre cours. Aujourd'hui, vous nous enseignez, on vous écoute. Ok, c'est vraiment un plaisir. Mmh. J'espère que à la fin de l'émission, vos abonnés vont m'écouter. Oui. Et je suis sûr qu'ils vous coteront bien. Et j'aimerais qu'ils me comptent de 0 à 10. À 10, hein. Et j'espère que je pourrai distinguer. Mettez la marque, s'il vous plaît. Mettez la marque, la note déjà. Alors, je vous rappelle déjà que le titre, c'est « Les mines congolaises, le clé d'un mandat piégé ». Un mandat présidentiel piégé. Vous avez vu donc le titre, c'est « Face à face comme jamais avant ».« Les mines congolaises, clé d'un mandat présidentiel piégé ». Ça ne se passe que dans Congo Buzz et dans Face à Face. Allez-y. Merci beaucoup. Ce sujet est un sujet important parce que il détermine la destinée de ce pays. Oui. Et la décennie que nous venons de commencer, qui est la décennie de 2020 à 2029, elle est la plus déterminante pour que le Congo ne rate pas un rendez-vous avec l'histoire. Oui. Mais pour bien comprendre ce dont je voudrais parler, je vais vous ramener en 1885. D'accord. En 1885, comme vous allez le voir sur les graphiques. Donc on prend le point 2 déjà? Oui. Le point 2, ok. Alors nous prenons le point 2, nous sommes là. Léopold II prend le contrôle du Congo et il devient le propriétaire du Congo. Et il cède le Congo à la Belgique en 1908. 1980. D'abord, il faut lire le titre. Après 125 ans de quête de bonheur, oui. Un mandat divin. Mais vous êtes fort dans les titres. Vous auriez pu faire le journalisme, franchement. Alors, 1885, c'est Léopold II. Oui. 1908, le Congo belge reprend nos mines. Le Congo belge prend le contrôle du Congo. Oui. Ce n'est plus la propriété du roi Léopold II, parce qu'avant, nous étions la propriété du roi Léopold II. Exact. Nous et nos grands-pères, notre sol et notre sous-sol. Et alors, quand vous regardez les cheminements, en 1960, nous avons l'indépendance et Kasavubu est là. En 1965, nous passons à Mobutu. En 1997. 32 ans soit. Hein? Oui. Nous avons Kabila, Kabila 1, Kabila 2. En 2019, nous avons le président Félix. Soit 22 ans après. Oui. Ouais. Que les gens appellent Fatshi. Fatshi. Eh bien, pour moi, ça fait 125 ans exactement que les citoyens de ce territoire qui est appelé Congo partagent un destin commun. Okay. Et ça a été 125 ans de quête de bonheur, tout le temps espérant que le prochain nous donnera le miracle, le prochain dirigeant nous donnera le pain, le prochain dirigeant changera la donne. Et le président Fatshi tombe à un moment très particulier par rapport au minier et au secteur minier. Donc, vous dites que c'est un mandat divin. C'est un mandat divin. Ok. Et je dis un mandat divin parce que, bon, comme lecteur de la Bible,
toute autorité vient de Dieu. Et c'est aussi, depuis 125 ans, le seul qui est à la tête du Congo, qui a consacré son leadership et son mandat, et consacré le pays à Dieu. Et je dis, c'est un mandat divin. Alors, ça fait 125 ans que le Congolais espère qu'il y aura un bonheur. En 1885, quand le roi Léopold II prend le contrôle du Congo, ou de ses territoires, il y avait 10 millions de Congolais. 10 millions. 10 millions. Ah, donc le P, entre parenthèses, 10, c'est la population. Oui. Le Congo, 10 millions d'habitants à l'époque de Léopold II. C'est ça. Okay. Donc, la population actuelle de Kinshasa dépasse la population du Congo au moment où Léopold II prend le contrôle de 1885. En 1960, la population du Congo est de 14 millions seulement à l'indépendance. Toujours pas égale à Kinshasa seulement. Toujours pas égale à Kinshasa. Ouais. En 1965, elle passe à 17 millions. Mobutu prend le pouvoir. Mobutu prend le pouvoir. En 1990, on est à 35. On a doublé, on va dire. Quand Kabila prend le pouvoir, Kabila 1, Laurent Désiré, le Congo a 43 millions d'habitants. 43 millions. Oui. Mais quand le président Félix prend le pouvoir, nous sommes à 93 millions. Donc jamais un autre président n'a eu autant de challenges que celui-ci. Parce que sur ses épaules repose la destinée de 93 millions. Quand Kassavubu était là, c'était 14 millions. Mm. Vous voyez l'enjeu est de taille. Mais il tombe à un moment très particulier par rapport au cycle minier. Okay. Il tombe au moment où nous parlons de la transition climatique ou la transition énergétique qui va faire appel à des ressources naturelles très particulières dont le Congo possède le plus grand contrôle. C'est pour cela que l'alignement de temps et de circonstances place le président Fachi à un moment important pour le parcours du monde, parce que c'est la transition énergétique, ça affecte le monde entier, mais ça lui donne aussi des atouts très particuliers sur lesquels il faut capitaliser pour qu'enfin le Congo voie le bonheur. C'est pour ça que je dis, c'est un mandat très particulier. Mais piégé en même temps. Mais il est piégé. D'accord. Il est piégé pourquoi? Parce que... Vous dites piégé de la première minute. Il est piégé de la première minute. On peut le lire... Piégé de la première minute. Oui, minute. Parce que tous ceux qui ont suivi le discours d'investiture, ils ont constaté que ce discours n'a pas été continu. Ouais. Il a été interrompu au beau milieu. Parce que ceux qui voyaient de loin, moi j'étais à l'étranger encore en exil, je voyais le discours et brusquement le discours est arrêté et on entoure la tribune. Oui, parce qu'il a fait, il a fait un malaise. Ouais. Dès la première minute, les signaux montraient que non seulement il y avait un étouffement physique, mais il y avait un étouffement financier dont je vais vous expliquer un peu tous les détails tout à l'heure. Ah, donc c'était aussi un peu métaphysique, ça voulait donner une image de ce que ça allait être le mandat. Je vous dis, parce que quand le président prend le pouvoir, ce qu'on a très peu raconté, et malheureusement dans les discours cela n'apparaît pas, c'est que normalement en fait quand nous prenons un véhicule, nous checkons l'huile, vous regardez l'avion, quand l'avion décolle, le pilote, il a une checklist, il vérifie le moteur à gauche, le moteur à droite, l'huile, les niveaux, la pression, etc. On fait un état des lieux. Et je n'ai pas vu cet état des lieux fait ici au Congo. Malheureusement, ça n'a pas été fait, en tout cas, on ne nous a vraiment pas dit ça. Oui. Mais alors, si vous regardez l'état des lieux du Congo au moment T0, quand le président commence son mandat, il commence avec des entreprises publiques de l'État qui ont un passif de 3,5 milliards de dollars. Il commence avec des dettes sociales, avec les arriérés de salaires et autres, qui sont autour d'un milliard. Il commence aussi avec une dette à l'égard des miniers qui avaient payé à l'avance la TVA et qui réclamaient le remboursement de leur TVA. Donc, ça fait encore un autre milliard. Donc, si vous faites les dettes et le poids qu'il hérite, il ne commence pas sur une piste où il y a zéro. Il commence dans un trou. Et ce mandat, il est réellement piégé. Parce que
les revenus qui devaient tomber durant son mandat ont été déjà engagés par des contrats antérieurs. Donc, particulièrement durant la période de glissement, et ce que peut-être très peu de gens ont analysé jusqu'à ce jour. Et c'est lourd de conséquences par rapport à ses chances de réussite. C'est pour cela que l'approche pour la réussite de ce mandat exige une intelligence très particulière par rapport à la gestion du secteur minier. Très bien. Alors, vous dites après, toujours dans... Donc, parce que je voudrais qu'on reste dans le schéma, vous dites, toujours dans la partie 2, vous dites, après 30 ans de débâcle, de destruction des tissus économiques et d'éducation, troisième point, pays sinistré aux besoins énormes, budget 10 milliards, je crois, de dollars par an, le passif, vous l'avez parlé, dette sociale, compte à rebours, ainsi de suite. Est-ce que vous pensez que c'est exactement comme quelqu'un qui rentre dans une maison, mais on lui donne juste la possibilité de gérer la maison, mais alors que les garanties, les mois d'anticipatif avaient déjà été payés par le précédent occupant? Est-ce que c'est la même situation? C'est exactement, donc, en fait, il est au fond d'un trou, il faut remonter la pente. Et le Congo, c'est comme un avion qui n'est pas sur une piste pour décoller. Il est dans un ravin. Il faut sortir du ravin, le remettre sur la piste pour décoller. Alors, et ça, c'est un effort particulier. Il faut tous les génies de l'élite congolaise pour accompagner le président de la République. Sinon, il n'y a pas de possibilité de réussir. Et là, moi, je dis, le secteur minier nous offre une opportunité unique. Parce que, justement, dans la phase dans laquelle nous sommes, notamment dans cette décennie, la transition énergétique fait appel à des métaux que nous avons au Congo, que nous contrôlons en plus grande proportion. Mais on nous dit que tout a été vendu. Peut-être on y arrivera. Oui. Alors, on prend le troisième point. Oui, mais j'ai marqué un peu sur le même, la projection de population, qui est importante parce qu'on va en tenir compte. Quand vous regardez la population qui est anticipée pour le Congo en 2050, il est anticipé que, au rythme où les jeunes mariés sont actifs, et les vieux, et tout ça, voilà, il est anticipé qu'en 2050, nous serons à 200 millions. 200 millions. Oui. Alors, ceci est très, 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 très pertinent, parce que, vous allez le voir dans mon développement, dans cette décennie, il y a une accélération de l'exploitation de nos ressources. Et certaines des mines vont vite aller à l'épuisement. D'accord. Donc la mine, la carte minière, c'est une carte saisonnière. Elle peut vous permettre de jouer bien, remettre le pays en orbite maintenant. Si on rate cette opportunité, cette décennie, c'est parti, on est foutu. Alors, on prend le troisième tableau. Oui. Le troisième. Alors, oui. Oui, c'est ça. C'est celui-là, effectivement. Oui. Dans celui-là, je vous donne un peu l'aspect de notre économie et je donne un cliché partiel qui est le volet exportation de notre balance commerciale. Sous l'EIC, l'État indépendant du Congo, les exportations ont rapporté sur les 100% des revenus que nous avons tirés de l'exploitation, 78% venaient du caoutchouc, okay. 16% venaient de l'ivoire, 6% des autres. Donc on était un pays agricole. Agricole. Mais depuis lors, regardez en 70, si je prends un cliché instantané, 81% de nos revenus viennent des revenus d'exportation, bien sûr, viennent du secteur minier. En 2019, c'est-à-dire l'année passée, 99. Alors, qu'est-ce qui justifie cette montée? Ça signifie que l'agriculture, il n'y en a pas. Oui. Tout le monde est ici à Kine. Exode rural, il n'y a pas de production, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. En dehors des mines, on ne dépend que des mines. Et moi, j'ai l'image un peu, je le montre en image en disant, le Congo est un géant qui danse sur une jambe. Oui. Et la seule jambe, c'est les mines. Vous dites debout sur une jambe. Oui. Alors, regardez un peu l'emplacement géographique. Vous allez voir que nous avons le cuivre, la filière cuivre, essentiellement le Katanga. Quoique, il y a un gisement au Bas-Congo, dont je ne veux pas parler pour ne pas m'écarter. Il y a, à l'est du pays,
vous voyez la zone éteinte et la zone de l'or. Okay. Et il y a aussi beaucoup de troubles. Et si vous analysez ces troubles comme sociologue, votre analyse n'est pas complète. Okay. Si vous analysez le problème de l'Est, il faut prendre la grille minière pour avoir l'interprétation correcte des événements et des enjeux qui se déroulent à l'Est. Et donc, quand vous regardez ce que nous avons, je lui demanderai de passer à la planche suivante. Ah, à la planche suivante, d'accord. Oui. Le quatrième, voilà, nous sommes là. Ressources minières encore les ressources dans minières, le sous-sol valorisé après deux. Dans le sous-sol de l'autre territoire national, les ressources qui sont identifiées, valorisées, représentent 3,5 milliards de dollars. Nous sommes un mendiant affamé, assis sur de l'or. Une fortune incommensurable. 3,5 milliards. Oui. 500 000 dollars. Les génies de l'homme, c'est transformer le potentiel en richesse palpable et concrète. Mm. Le potentiel est énorme. 3,5 milliards. Mm. Et donc, vous comprenez que n'importe quel pays qui aurait un potentiel aussi énorme disposerait des atouts pour son développement. Mm. Mais à condition que l'intelligence nécessaire sont appliqués, parce qu'on ne se développe pas par accident. Alors, quand vous regardez aussi toujours le Congo, vous voyez 50% d'eau douce d'Afrique, 80 millions d'hectares arables, mais on a faim. Il y a 20 millions de Congolais qui sont sous-alimentés. Sous-alimentés. Ouais. Mm. Donc, l'écart entre nous et le bonheur, c'est le manque d'intelligence. Ça peut être brut, hein, mais je vais utiliser un terme plus fort. Mm. La seule raison pour laquelle nous sommes pauvres, c'est la gestion stupide des ressources d'un pays. Et ça, vous le dites d'ailleurs dans votre rapport. C'est la seule raison qui explique notre pauvreté. La stupidité. C'est la stupidité. Ouais. Et je vais utiliser un mot plus fort après avoir expliqué pourquoi. Parce que si je l'utilise maintenant, vous allez arrêter l'émission. Ok. Alors, on passe à notre tableau. Oui, oui. Alors vous voyez. Je recommande aux gens de lire Léonide Mupepele, un Congolais, un excellent ingénieur, qui a fait une publication sur ça. D'accord. Et ils trouveront tous les détails sur ça. Je mettrai les lire. Alors, on prend le tableau suivant. Oui. RDC Mines, contribution insignifiante, 2007-2012, rapport c'est Sénat. C'est là que vous allez voir, Christian, là où nous avons la difficulté. Ce n'est pas le manque de ressources. Mm. Ce n'est pas le manque de potentiel. C'est comment transformer ces ressources-là en argent pour nourrir nos enfants, pour payer les études de nos enfants, pour avoir un pays viable avec des infrastructures. Regardez un peu une analyse qui a été faite par l'ingénieur David Moutamba et Jérôme Falaï. C'est un nom d'un ingénieur célèbre qui est décédé récemment à Bruxelles. Il était sénateur, mais il est connu comme beaucoup plus comme ayant été le directeur technique de la Chekami. Et Jérôme Moukalaï, c'est aussi un excellent ingénieur. Les deux ingénieurs là, le feu sénateur David Moutamba et l'ingénieur, ont fait un travail pour évaluer qu'est-ce que nous rapporte l'exploitation minière au Congo. Quelles sont les retombées de l'exploitation minière qui est faite au Congo? Et vous allez être choqués. Entre 2007 et 2012, sur 41 milliards générés par les produits que nous avons exportés du Congo, sortis de notre sous-sol, notre trésor Congo n'a eu que 1 milliard de dollars. Ça fait 2%. C'est pas possible. Seul un pays où la stupidité est sacralisée peut avoir un tel désastre. Des enfants qui ne vont pas à l'école, pas de rue, pas d'avenue, pas d'hôpitaux, rien du tout. Aucune intelligence dans les secteurs miniers. Et quand vous regardez le tonnage qui passe là, il est en train de partir. C'est des ressources qui ne sont pas renouvelables. Les jours où il n'y aura plus un gramme de cobalt ici et de cuivre, toutes les multinationales
partiront. Donc, partir. Exact. Et nous n'avons plus de cartes à jouer. En 2050, la population du Congo va monter à 200 millions. Si déjà on est incapable de nourrir 90 ou 100 millions d'habitants, à 200 millions, qu'est-ce qu'on fera? C'est cela. Alors, je vous donne un peu toujours sur la même chose. Je dis, regardez un peu ce que les autres pays font. C'est ce que nous appelons dans les secteurs miniers, nous appelons le benchmarking. C'est comparer un peu aux autres. Voir un peu ce que les autres font de mieux et copier. Alors, chez nous, on retient les chiffres. 41 milliards de dollars exportés. Oui. Et puis, 1 milliard de dollars que nous avons récupérés. Oui. Un seul milliard. Donc, on aura perdu 42 milliards comme ça. Les restes de parts empochés par les multinationales et les autres, etc. Aucune intelligence dans la gestion des mines. Alors, pourquoi? Et c'est pour ça que j'ai dit, dans la décennie qui va commencer ici, et les 3 ans du président Fatshi, le degré d'intelligence qu'il va appliquer au secteur minier déterminera soit son échec, soit le secteur minier, je vous dis, il est la clé. Très bien. Parce qu'il n'a plus que 1000 jours. Et en 1000 jours, on n'a pas beaucoup d'autres leviers. L'intelligence, on n'a pas besoin des gens qui savent lire. Parce que le savoir lire, on en trouve encore partout. Le savoir-faire, il est très rare. Alors, vous pensez qu'en 1000 jours, on peut faire quelque chose? Il est possible. De faire des choses en 1000 jours. Je vous dis. Vous allez le voir. Très bien. Vous allez le voir. Alors, je voudrais qu'on me donne le tableau. Je reviens encore un peu, juste pour vous situer un peu. Oui. Donc, sur 100, chaque fois que nos mines, dans cette période-là, qui a été étudiée par les sénateurs Mutamba et l'ingénieur Jérôme Boukala, il y a deux ingénieurs excellents. Chaque 100 dollars que les mines ont généré, les mines que nous avons, les minerais et les produits miniers que nous avons produits, tirés de notre, sur chaque 100 dollars, le Congo a récupéré 2. 2 dollars. Les autres, c'est parti. OK? Donc, dans le compte du trésor, 2% seulement. Mais le Chili, est un pays qui produit le cuivre comme nous. Oui. Entre 1995 et 2017, le Chili, la moyenne récupérée sur chaque 100 dollars, sur chaque 100 dollars vendus, 29 dollars sont rentrés dans le compte du trésor. Pendant que nous, on récupérait 2 dollars. Nous, c'est 2. On ne fait que danser. On ne fait que palabrer. On ne fait que chercher des titres. Il n'y a aucune intelligence appliquée à la gestion de l'euro. C'est plutôt la stupidité, la stupidité dans le secteur. Elle est sacralisée. Elle est sacralisée. Très bien. Et voilà. Et donc, regardez la Zambie. Parce qu'on peut peut-être dire que les autres sont... Chili, peut-être en dehors du continent. En parlant du continent. La Zambie. Oui. C'est les gens comme nous. Oui. Comme toi et moi. Quand ils ont la même couleur. En plus, ils sont voisins. Ils sont voisins. Oui. Ils récupèrent 24%. Donc, si la Chili récupère 29, nous récupérons 2. Oui. La Zambie récupère comme ça 29. 24 ou 29? Oui, 12 fois plus. 24%. 24. Ouais. Et donc, entre 2022 et 2028, j'ai étalé 2028, vous verrez pourquoi. Il nous faut un plan. Il nous faut un plan. Et vous l'avez appelé... On ne peut pas réussir par hasard. On ne peut pas réussir en tirant dans tous les sens. On ne peut pas bricoler. Les mines, ça ne se bricole pas. Si on applique toute l'intelligence nécessaire à l'allure de production actuelle, je peux vous assurer, nous allons avoir du secteur minier 8 milliards. Et je vais vous le démontrer. C'est toujours dans 1000 jours. Ce mandat, vous voulez dire? Ce mandat, c'est possible. Il y a un train de mesures qu'il faut mettre en place. Et il y a un temps de réponse. Si vous touchez l'interrupteur, vous allez voir la lumière s'allume directement. Oui. Si vous voulez avoir un enfant, il faut attendre 9 mois. Vous pouvez avoir un enfant, à moins d'être un tricheur. Avoir un enfant 3 mois après. Oui. Ici, pour les mines aussi, le temps d'inertie, il est... Parce que, je vous dis, la catastrophe dans laquelle on a été trempé depuis 30 ans est telle que les corrections nécessaires et les virages, ça prend un temps. Il faut un temps au moins de 6 mois pour aligner les choses. Et à partir de l'année prochaine, si toute l'intelligence et le sérieux sont appliqués, c'est possible. Et vous avez appelé ça le plan Fatshi Mine. Je pense qu'il faut que ça s'appelle Fatshi Mine. Fatshi Mine. Je vous dis pourquoi. Parce que j'ai fait un calcul, Christian. Nous sommes indépendants depuis 60 ans.
nous avons eu 43 ministres, en dehors de l'exception Kabouilou, qui est une anomalie qui s'explique, on sait pourquoi. Chaque ministre des mines a duré moyenne 1 an, 3 mois. Mais Kabouilou, c'était l'éternité. Juste une anomalie, oui. Une anomalie qui a été tragique pour le Congo. On verra d'ailleurs tout à l'heure. Mais ça signifie que c'est très difficile qu'un seul ministre porte la chose. Parce que l'état de séjour, c'est un siège éjectable. Ça doit être porté par le seul qui a prêté serment au Congo. Il devant tout le Congolais. Donc, ça fait que j'avais donc raison. Devant les hommes, il a dit, je prête serment. Je vais me battre pour que le Congo soit heureux. Et on ne peut pas laisser ça. 2%, papa. J'avais donc raison de dire que le chef de l'État devrait s'occuper des mines, devait s'occuper de ce ministère terriblement. La clé est là. La réussite ou l'échec, c'est les mines. C'est les mines. Ouais. Alors, on prend le suivant, le tableau suivant. Alors, là, nous avons plus de 100 ans d'exploitation minière industrielle. Donc, maintenant, j'entre maintenant un peu dans la matière avec des chiffres. Ouais. Regardez un peu que je prends seulement le cuivre d'abord, hein, parce que le cuivre, c'est la filière la plus grande. Si on prend le diamant et l'or, on va s'égarer. Les leçons qu'on tire d'ici suffisent pour être transposées sur les autres secteurs. Quand vous regardez le cuivre, il a été exploité avant l'arrivée de colons. Et avant l'arrivée de colons, il est estimé que la période précoloniale, on a sorti 100 000 tonnes de cuivre de notre sous-sol. 100 000. À l'époque coloniale. Avant que la colonie ne s'installe. Alors, après la période de l'union minière, on a sorti 7 600 000, c'est bien 7 800 000 tonnes de cuivre et 170 000 tonnes de cobalt. Quand vous voyez K, les miniers ont dit K, c'est des kilos, ouais, c'est 10 kilos. Exposant 3, c'est 1000. M, c'est millions. Ouais. Alors, regardez un peu, sous l'union minière, on a fait sur la Gécamine, pardon, Gécomine, 11 millions sont sortis de notre sous-sol. Et puis, en 2002, nous avons eu le nouveau code minier. Et c'est sous Joseph Kabila. On a sorti 8 700 millions de tonnes de cuivre et 814 000 tonnes de cobalt. Un peu plus que dans tout le temps, quoi. Oui, oui, oui. Et maintenant, regardez ce qui est intéressant, c'est le scénario le plus plausible. J'ai fait la décennie. Je n'ai qu'un nom pour le moment comme président, c'est Fatih. J'ai écrit Fatih X, hein, parce qu'il y aura peut-être quelqu'un d'autre, je ne sais pas. Mais hein, dans les 10 ans, je prends la décennie que nous avons. Regardez ce qui va arriver. Nous allons passer à 15 à 20 millions de tonnes dans les 10 ans. Mais si vous comparez à la période de l'union minière, dans la décennie actuelle, qui a commencé avec Fatih et qui va peut-être continuer avec lui, parce que s'il a un deuxième mandat, c'est toujours lui qui est. Alors, regardez un peu potentiellement ce qui va, le scénario le plus possible, c'est qu'on produira 15 millions de tonnes ou 20 millions de tonnes, 15 à 20 millions de tonnes de cuivre. On produira 1 500 à 2 millions de tonnes de cobalt. Comparé à la période de l'union minière, les Belges sur lesquels on jette l'opprobre en disant qu'ils ont pillé, ils n'avaient que le cuivre. Ils ont essentiellement exploité le cuivre. Mais regardez les rapports, vous allez voir que dans les 10 ans ici, de la décennie qui commence, nous allons produire deux fois plus de cuivre que sous l'union minière en 60 ans. Et l'union minière a créé 3 villes, Elisabethville, Jadotville, Colouésy, des cités, etc., 4 centrales hydroélectriques, etc. Donc, quantitativement, par rapport à la demande inhérente à la transition énergétique, le Congo sortira suffisamment de minerais pour que le pays soit remis en orbite, pourvu que il y a une intelligence qui soit appliquée. Parce que rappelez-vous, ce n'est pas en ne récoltant que 2% ou 4%, actuellement c'est autour de 8%, alors que les autres récoltent sur 100 dollars, ils récupèrent 29%. Donc, l'intelligence maintenant, c'est comment maximiser les retombées de cette accélération du secteur minier, qui signifie aussi la
l'accélération vers l'épuisement des ressources. Des ressources. Mais alors, mais ce qui est, ça veut dire que le tableau, il est beaucoup plus clair. Alors, on va prendre un autre tableau pour avancer. Oui. Et c'est le tableau suivant. Donc, le tableau suivant, c'est plus de 2 milliards volatilisés. Oui. Mine d'oxygène du conflit à l'Est. Je vais revenir sur le cuivre, mais je fais un petit ricochet sur le cobalt très rapidement. D'accord. Vous allez voir que, sur l'or, pardon, à l'est du pays, Inde, si vous voyez une colonne au-dessus du drapeau du Congo, vous voyez Inde, et puis IND, vous voyez Art. Inde, c'est industriel. Art, c'est artisanal. Artisanal. Mm. La production d'or artisanal au Congo était de 213 kilos en 2011. Elle est de 33 000 kilos en 2019. En 2019. Mais regardez l'or artisanal. Avec tous les trous et tout ce qui se passe là, l'or artisanal, nous avons produit 21 000 en 2011. En 2011. Nous sommes à 333. Nous sommes à 333. Pourquoi? C'est un mystère. C'est aussi exprimé en chiffres la gestion stupide des ressources. Regardez l'Ouganda. Mmh. L'Ouganda, qui est notre voisin, qui n'a pas de mine, enfin, qui a quelques petits trous. En 2014, l'Ouganda fait 11 kilos. 11 kilos de 11 kilos. 1, 2, 3, 11. 11. Mais en 2017, l'Ouganda fait 16 281 kilos. Comment est-ce possible? Avec des petits trous. Mais regardez le Congo artisanal à côté, 303, 302. Il ne faut pas être un savant pour comprendre ce qui se passe. Oui. Faut... Expliquez-nous quand même. Ça signifie, si on me le remet, je vais vous dire, ça signifie que si celui qui n'a pas de mine, quoique c'est gênant, mais étant forcé de dire quelque chose, est obligé de publier quand même quelques chiffres. Hein? Parce que, bon, il ne peut pas justifier sa balance commerciale. Donc, en fait, ce que les autres déclarent, c'est venu de chez nous, sans laisser d'impact, sans laisser de retomber sur notre sol. Ah, c'est justement ce que vous dites, la stupidité. C'est la stupidité. Ouais. Regardez le coltan, hein, c'est la même histoire. Les Rwanda et la RDC. Regardez, je prends l'année 2013, le Congo 200. 200. Le Rwanda 600. 4 fois plus. Oui, oui. On cherche où sont les mines. Oui, on faut avoir beaucoup d'imagination. C'est fictif. C'est métaphysique. Mm. Pourquoi? Parce que c'est un pays où la gestion des ressources est stupide. Nous avons une frontière de 217 kilomètres avec le Rwanda, 765 kilomètres avec l'Ouganda. Notre PIB par tête d'habitant est de 820, au Rwanda, 820 dollars par tête d'habitant. L'Ouganda, 794. Nous, 550. 500, oui. Pourquoi? Parce qu'il y a 2 milliards. Oui. 2 milliards qui s'évaporent à l'Est. Et si vous voulez comprendre pourquoi est-ce que l'Est est instable. On a la réponse. Il ne faut pas être un génie. La réponse est là. Mais c'est donné en chiffres. Mm. Et donc, je vais accélérer pour vous montrer très vite quelque chose. Il y a quelque temps, j'étais très impressionné de lire que il y a une mine, une usine, ce que vous voyez là, c'est une raffinerie d'or qui se trouve à Kigali. Ça, c'est à Kigali. À Kigali. 6 tonnes par mois. Oui, oui. Et alors, elle s'appelle Al Dango. Et c'est en anglais, hein, j'ai traduit. Ils ont fait des projections que, ils vont accélérer la capacité de raffinage. Mm. Mais déjà, compte tenu des besoins, ils ont fait une installation qui peut raffiner 6 tonnes par mois, c'est-à-dire 72 tonnes d'or par an. Par an, 72 tonnes. Oui, oui. La mine, bon, il ne faut pas leur demander où sont les mines. Alors, revenons un peu sur la carte. Vous voyez, ramenez la carte. Ramenez plus haut. Oui, rentrons dans la précédente. Toujours Wally Bousso, oui, voilà. Oh non? Non, non, Wally Bousso. Vous voyez? Voilà. Vous voyez l'est du Congo? La ligne frontière, il y a 2 milliards de business qui passent là, 2 milliards. Il y a des avions qui décollent, qui des choses. Et les statistiques du Congo, c'est compréhensible que alors qu'on produit
d'après l'Institut Deutsch, là, ils disent que la production du Congo est d'à peu près 30 tonnes artisanales. Mais on déclare 33. 30 000 kilos, on déclare 1% de notre production. Ça signifie quoi par rapport à notre banque centrale, à notre monnaie, à notre économie? C'est la gestion stupide. Bien évidemment, stupide. Alors, on y va. On y va. On y va, c'est... Là, nous passons à... Et donc, vous voyez, je vais vous montrer la... Si je reviens juste une minute... On revient sur la... Voilà. Et donc, vous voyez ça, c'est le Rwanda. Oui. Qui s'est dit, tiens, mais il y a une opportunité. Ouais. Il ne faut pas demander là où ils ont les mines. Non, bon, s'il y a des cons, enfin, je m'excuse, pas des cons, mais s'il y a des gens qui sont stupides, stupides, à côté, bon, ce n'est pas leur faute, il ne faut pas les blâmer. Oui. Écoutez, vous n'êtes pas obligé d'être intelligent ou d'utiliser des médiocres. Alors, regardez que cette usine-là, il peut nous la remontrer, cette usine coûte combien? 5 millions de dollars. Ce n'est pas vrai. Cette usine qui, des raffineries, ouais. Qui peut produire 72 tonnes. 220 kilos. 220 kilos, et oui. Nous, c'est 5 millions de dollars. 5 millions, c'est autant que ce qu'on a utilisé pour mettre des moquettes au Sénat. Bien évidemment, les moquettes au Sénat. Au Sénat. Pourquoi? Parce qu'on a des ressources, il n'y a aucune intelligence. C'est grave. Mais est-ce que vous imaginez qu'il y a des gens qui sont soupçonnés d'avoir pris 100 millions de dollars, 200 millions de dollars, 80 millions de dollars, mais c'est plusieurs raffineries. Oui. Et plusieurs emplois. Oui. Et l'Ouganda a aussi une raffinerie qui s'est dit, bon, alors, si le voisin est géré de manière bananière, c'est une république bananière, tant pis, il ne faut pas le blâmer. Oh là là. Alors, on prend un autre tableau. Alors, qu'est-ce qui va se passer, Quelques jours avant que notre président aille aux États-Unis, Christian, vous savez ce qui s'est passé. Le Sénat américain, quand la première visite de notre président au Sénat et aux États-Unis, le Sénat américain a appelé un expert pour leur parler des perspectives d'avenir en ce qui concerne le véhicule électrique, la mobilité électrique. Alors, et c'est une société qui s'appelle Benchmark, qui est très bien cotée en analyse. Elle est allée, elle a dit ceci, en 2017, les ingrédients de la batterie, qui sont le lithium, l'anode, les anodes en graphite, le cobalt, le nickel, les ingrédients qui constituent la batterie pour le véhicule électrique, les besoins pour le lithium étaient de 162 000 tonnes en 2017. Pour le cobalt, 48 000 tonnes, rien que pour les batteries, pour le véhicule électrique. Parce que ça, le marché d'avenir, il y a une guerre, la compétition qu'il y a entre, vous avez vu Trump et les Chinois et tout ça, c'est qui va contrôler ce secteur. C'est pour ça que nous sommes un joueur clé. Ça vient de chez nous. Comme vous allez le voir là, dans le tableau, regardez le lithium. En 2017, 162 000 tonnes. En 2028, le besoin sera de 1 578 000. Le cobalt, on avait besoin de 54 000 tonnes pour les batteries électriques. On aura besoin de 276 000 tonnes par an. Oui, en 2028. Par an. Vous comprenez que la décennie est déterminante. Déterminante. Le besoin est déjà là. L'appel est là. Il viendra d'où? Il viendra du Congo. Et s'il revient toujours là, je veux vous montrer quelque chose. Le lithium, nous avons un gisement à Manono. C'est la ville natale de Kyungu, Baba Kyungu. Il est de Manono. Manono, au Katanga, c'est 500 km de choses. Le gisement de Manono, on l'appelle l'Escondida du lithium. L'Escondida, c'est le plus grand gisement de cuivre. Alors, quand on veut comparer, on dit l'Escondida du lithium, c'est Manono. Alors, quand vous regardez là, si vous rentrez, Escondida du lithium, avec le lithium, Congo, source Congo. Le cobalt, source Congo. Parce que nous détenons les plus grandes réserves du monde. Les nickels, nous en avons à Konko, dans les Kasaï. Il n'est pas exploité. Il y a aussi le manganèse que je n'ai pas mis, nous en avons. Donc, vous voyez que la clé de la transition énergétique, si la chimie de la batterie demeure la même,
le Congo devient un acteur absolument déterminant. Très déterminant. Mais convoité. Mais pourquoi vous parlez de Noël Tiani? Quid du plan? C'est pour ça que moi, vous avez vu en bas, j'ai écrit Failing to plan. Oui. Failing to plan. S'il peut le montrer, je ne sais pas parce que je le cache un peu. Oui, oui. Failing to plan. On va faire disparaître. Is planning to fail. Les Anglais disent ça. Oui. Failing to plan. Is planning to fail. Oui. Alors, il est là. Si vous gérez comme c'est une gestion qui c'est archaïque, vous ne réfléchissez pas par rapport à demain, vous ratez les opportunités. Si vous ne faites pas un plan, vous avez planifié des choix. C'est tout. Et le Congo, je peux vous dire, sans complexe, le Congo n'a aucun plan. La source de tout ça. Le Canada, si vous regardez le secteur minier, un plan stratégique. Le Chili, plan stratégique. L'Afrique du Sud, plan stratégique. Surtout après le Covid. Le Congo, demandez le plan. Il n'y en a pas. Donc, Albert Yuma, dans le Gécamine, n'avait pas de plan. Lui, il en a un, mais je vais vous en parler tout à l'heure. Alors, regardez, c'est pour ça que moi, je félicite un gars comme Noël Tiani, oui, que je n'ai jamais rencontré. Je l'ai suivi avec vous. J'ai vu quelques extraits de son plan. Parce que, Christian, c'est très facile pour le Congolais de se battre pour des postes. Mais vous ne trouverez pas 10 Congolais qui s'assoient sur leur bureau pour réfléchir à un plan. Même s'il a des défauts. Parce mais d'abord, réfléchissez. Réfléchir. Ouais. Noël Tiani a le mérite, il l'a fait. Un plan costaud. J'ai lu quelques extraits. Un plan intelligent. Mais regardez le nombre de gens qui peuvent se battre, qui peuvent aller chez le devin pour être nommé ministre. Il n'a rien dans la tête. Rien. Je m'excuse. Rien. Mais ce pays a besoin d'un plan. Vous ne pouvez pas vous engager dans une transition énergétique dont vous détenez la clé sans plan. Ouais. C'est-à-dire vous naviguez comme ça, vide, quoi. Et c'est la raison pour laquelle, avec l'accélération de cette exploitation, si nous continuons à voir le 2% que Moutamba nous avait dit, sans réfléchir, c'est la catastrophe. Les ressources vont s'épuiser. Nous serons à 200 millions quand ton fils Philippe sera président, oui, en 2050. Très bien. Et bien je te dis qu'il va régner sur un Congo sans ressources. Oui, on les aura déjà vidés. Fort en histoire, mais... Oui. Et je peux vous choquer, Christian. Avec les ressources que nous avons ici, les ressources que nous avons, 3 500 milliards dans les sous-sols. Si aujourd'hui, on dit aux Japonais, je prends juste les Japonais, on dit Japonais, venez au Congo, laissez tout, bagages, maison, tout ça. Et nous, on nous dit, allez, Congolais, allez tous au Japon. N'amenez aucun bagage, vous allez trouver tout sur place. 10 ans après, on va demander le visa. Tokobwa Kangunda, comme on dit. On va venir à la nage ici, ouais, pour rentrer. Ouais. Pourquoi? Parce que on a tout ce qu'il faut. Et il ne manque qu'une chose. C'est une faille de la pensée. Là, il n'y a qu'un seul Noël Tiani avec un plan. Il y a d'autres plagiats, hein, mais il n'y a qu'un Noël Tiani avec un plan. Où est le plan? Généralement, quand les gens font la campagne électorale, ils ont des programmes, tout ça. C'est juste du copier-coller, de paperasse, tout ça. Il n'y a pas de plan. Il nous faut un plan. Je vous dis, il le faut. Très bien. C'est impératif. Alors, on prend le tableau suivant. Alors, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Privatisation du cuivre congolais. Je reviens maintenant sur le cuivre. Et des meilleures unités de production. Je reviens sur le cuivre. Je pour vous dire que lorsque on nationalise la Gécamine, l'union minière, elle devient Gécomine en 1967. Quelques mois après, le 9 septembre 1967, après la loi Bakachika, 66 pardon, les Belges de l'union minière ont fait une demande au gouvernement congolais, parce qu'on a dit les sols et le sous-sol appartiennent à l'État. Alors, ils ont fait une demande avec la liste des gisements dont ils voulaient continuer à être les titulaires avec un droit minier. Il y avait 130 gisements cuprifères. 130. OK? Maintenant, nous sautons. Quand Mobutu part, les 130 gisements sont toujours là. Quand Fatih arrive... Je vois les tableaux. Quand Fatih arrive... les 130 gisements ne sont plus là dans le portefeuille de la Gécamine. Elles ne sont plus là. La Gécamine n'en a plus que 4. Attendez,
quatre, vous avez dit quatre. Quatre gisements. Je ne sais pas comment dire en lingala. Mokomi, Balé, Misato, Mine. Mine. C'est tout. Pamba. Oui. Tout le reste engagé en partenariat. OK? Cédé à des partenaires. Et donc, des 100% du contrôle du cuivre congolais, maintenant, regardez la part du Congo, c'est le petit drôle, pratiquement chose. OK? Non, mais c'est pas possible. Et là, la Gécamine, qui était un géant avec autant de... est devenue un nain. C'est pourquoi vous avez fait un rapport? C'est un nain. Le rapport on a beau crier, entrer en transe. Oui, on a dit que c'était un trac minier. Le bureau Yuma vous a attaqué en disant attendez que c'était un trac minier. J'ai terminé de Yuma, elle est minier on va et y une arriver. Sanction nationale. Je... Regardez un peu, la proportion. Et puis, nous passons au suivant. Vous allez voir quelque société chose. Société zombie. Alors, nous sommes démantelés. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu ce qu'on a appelé la révisitation des contrats, qu'on a démarré en 2007. On l'a clôturé en 2009. Et cela portait sur 29 contrats miniers. Il était question de rééquilibrer les contrats, parce qu'on disait que tiens, mais la Banque mondiale, les gens nous avaient induits en erreur. La Banque mondiale n'a jamais forcé quelqu'un à céder le contrat de manière stupide. Et même en plus, lorsqu'on a eu la révisitation, on a eu la possibilité de révisiter pour équilibrer les contrats, n'est-ce pas? Parce que c'est nous qui décidions que, tiens, mais ce contrat, on les résilie ou on les garde. Mais après avoir révisité ce contrat, regardez plus tard. En 2010, on a transformé la Gécamine en société commerciale. On a nommé un trio de combinards, comme je les appelle, de combinards, trois, à la tête de la Gécamine. Pour présider à sa destinée. Regardez le nombre de contrats qu'ils ont signés après. Après. Alors, on va commencer. En 2011, ils ont signé un contrat. Foup, parti. En deuxième, en 2012, ils ont signé un fameux contrat qu'on appelle contrat TAF. Si je vous en parle, vous allez entrer sous sol. Donc, c'est un contrat déséquilibré. Je préfère que Philippe ne m'en veuille pas. Parce que vous allez vous évaluer. Oui. Regardez, en 2013, c'est toujours les TAF, là. En 2014, 15, 10, il y a eu 10 contrats. L'anticipation des fins de règne. Et la Banque mondiale n'est pas venue pointer le fusil sur quelqu'un. Non, c'est le donneur de leçons qui a signé. Yuma dit que c'est pas, on leur a dit, non, écoutez, vous n'avez plus assez d'argent, vous ne pouvez pas tenir longtemps. Ils nous ont conseillé de faire ça. Non. Regardez un peu, pendant la période de glissement, regardez le nombre de contrats qu'ils ont signés. 19, 9, 8, 4, 4. Et en 2020, ce qui m'étonne, c'est 14 contrats. Et ça, si vous savez lire le contrat, vous comprenez que c'est une anticipation de fin de règne. Et c'est là qu'il y a le piège pour le mandat de Fatih. Et un grand piège. Hein? Je vous dis qu'ils n'ouvrent pas les yeux là-dessus. Moi, comme minier, je peux vous garantir. C'est comme un match. Hein? Vous me mettez moi comme gardien de but. Je peux vous garantir que vous allez encaisser des buts à gogo. Vous n'allez, il ne peut pas s'en sortir. Mais pendant la transition, il peut pas. Je vois encore des contrats qui ont été signés si on regarde l'image. Je veux vous en donner, je veux vous en illustrer. Regardez 2010. Oui. Le président Kabila choisit la Dream Team, hein, les meilleurs de ces gens. Il dit allez, ok, allez gérer la Gécamine. Vous avez de grands diplômes d'Europe et autres. Et voilà, regardez la production. La production est là. La Gécamine qui faisait 470 000 tonnes de cuivre, depuis 2010, elle produit moins de 25 000 tonnes. Moins de 25. Pourtant, tous ces contrats-là, on n'encaisse pas de porte. On ne voit rien, aucun impact sur la production. Non. C'est plus des balades en jet privé et reste. Et des fêtes, bling bling. Mais il n'y a aucune incidence sur le Congo. Regardez le cobalt, c'est pire. Et je crois que je vais l'exploiter plus loin. On peut avancer. On peut passer à un tableau. Prenons l'autre tableau, voilà. Et donc, vous voyez que la situation actuelle est comment? De ces plus ou moins 130 contrats que nous avions, la Gécamine est devenue minoritaire en contrôlant 30%,
Et les étrangers, les investisseurs étrangers, 70%. Vous voyez, c'était les deals. Hein. Alors, la GECAMIN a fait droit à quoi? À un directeur au conseil d'administration pour contrôler les gardiens des intérêts du Congo. On ne peut pas se plaindre de la mauvaise gestion des partenariats parce que la GECAMIN a un directeur nommé là-dedans qui siège au conseil d'administration. Notre sentinelle, en fait. Notre sentinelle. Et puis, la GECAMIN a fait droit à quoi? À 3% de royalty. 3% de royalty, si peu, voilà, 3% de royalty, des dividendes et la sous-traitance. Et puis, ça, c'est le partenariat où elle dit qu'elle n'a pas un mot à dire. Mais elle a un directeur. Pourtant, elle a un directeur. Donc et la révisitation de contrat a été faite pour que la GECAMIN, sa voix puisse porter. Parce que ils avaient le mot, c'est eux qui décidaient. Pour qu'un contrat passe, il faut que les concessions nécessaires soient accordées pour que la voix de la GECAMIN soit entendue. Maintenant, après, qu'est-ce qu'il y a? Il y a à côté de ça, la GECAMIN a ces quatre gisements où elle règne en maître absolu, où elle travaille seule, sans interférence, sans que la Banque mondiale ne vienne les perturber dans leur stratégie. Mais qu'en est-il du résultat? Alors, pour ce faire, les trios ont fait un plan qu'ils ont appelé le plan stratégique. OK? Le plan stratégique. Et là, ils allaient montrer de quel bois ils s'échauffent. Alors, regardez un peu ce que ça donne. Le tableau suivant? Oui. Ils ont fait un plan stratégique. Ils ont dit, en quelques années, nous allons produire 100 000 tonnes de cuivre et 8 000 tonnes de, 300 de cobalt. Tonnes de cobalt. À partir de 2016. Maintenant, la réalité, aujourd'hui, c'est clair. On peut reculer et regarder. 2010, ils ont fait à peu près 18 000 tonnes. OK? Jamais n'ont dépassé les 20 000, 25 000. Jamais. Ça s'appelait plan stratégique. Et ce qui est remarquable, Christian, ils ont fait un an au maquis. Vous vous rendez compte? Oui. On vous nomme, imaginez un peu comme Sama, ici, on l'a nommé, il est très vite passé à l'action. Non, là, les gens là, on les a nommés, ils ont fait un an. Ils prennent le café, le caviar, et ils ne font que réfléchir sur le plan. Après un an, le plan a été pondu, publié, et ils l'ont annoncé en disant, nous ferons 100 000 tonnes et 8 000 tonnes de cobalt. Et maintenant, ils sont passés à l'action. Oui. Parce qu'on juge les maçons où? On les juge au mur. Oui, au mur, oui. Et voilà, et regardez ce qu'ils ont fait. Alors, attendez, ils promettent 100 000, ouais. Mais il ne dépasse jamais le 25 000. Jamais. Et la Banque mondiale n'a jamais eu envoyé des troupes pour les perturber. Jamais. Ni le FMI. Jamais. Mais regardez encore, la belle histoire, c'est où? C'est en cobalt. C'est le premier à dire le cobalt, métal stratégique, etc., etc. Mais regardez la production du cobalt. Alors, ils disent, ils vont produire 8 000. La prévision, c'était 8 000 tonnes. 8 000. La première année, pendant qu'ils sont au maquis, ils ont fait 1 000. Hein, ils étaient encore en train de réfléchir sur le plan. Ouais. Vous vous rendez compte, on vous nomme, c'est comme si Fatih vous le nommez, il prend un an et dit, j'ai réfléchi. J'ai réfléchi d'abord, comme si avant ils ne réfléchissaient pas avant d'entrer au pouvoir. Ils ont réfléchi pendant un an, ouais. Vraiment, en circulant dans tout le monde entier avec, en business, ouais. Pour réfléchir. Après avoir réfléchi, ils ont produit 1 000. Au lieu de 8 000. Oui. Et puis, ils ont continué à réfléchir. Ils ont fait 700. Plus ils réfléchissaient, plus ils baissaient. Plus ils réfléchissent, plus ils parlent, ils produisent moins. Et regardez... À la fin, c'est 8. L'année passée, les champions qui avaient promis 8 000 tonnes, oui. Ils ont produit 8 tonnes de cobalt. Mais ça va le compte des premiers ministres aussi. 8 tonnes de cobalt. 8 tonnes. Alors, vous vous rendez compte, quand il s'agit de la planification, promettre, c'est facile. Regardez les plans stratégiques, le plan. Vous voyez, le savoir-lire, il est courant. Il est mais maintenant, le savoir-faire. Le savoir-faire, il n'y est pas. Mais le prétexte, on le trouve partout. Regardez un peu. Si vous regardez, oui. 2018, la GECAMIN a produit 60 tonnes de cobalt. OK. Moi, j'ai écrit ce livre qu'on a traité de pamphlet. Oui, de pamphlet. Et dans ce livre que j'ai écrit, j'ai adressé au Premier ministre en son temps parce que je trouvais qu'il est sérieux, il veut que le Congo marche. Le Congo ne peut pas marcher quand vous produisez autant. Vous comprenez? Il ne peut pas marcher. Il faut produire, vendre
et on peut payer les, on peut payer les médecins, etc. Alors, regardez ce qui est frappant. 2019, ils ont produit 20 tonnes. 20, papa, 20. 2019. Hein. L'année passée 2020. 20. Oui, oui. Mais les mêmes gens vont défiler partout. Nous, c'est 20 tonnes. Ils ont dit, oui, ils ont dit 8000. Oui. Mais là, ils ont produit 20 tonnes. 20. L'année passée, 8. Maintenant, cette année, si moi je vous dis ce qu'ils vont produire, vous allez dire que je suis méchant. Ils vont produire combien? Deux. S'il y a la chance, peut-être deux. S'il y a la chance, deux. Deux tonnes. Et c'est la deuxième année du mandat de Fatih. Quand l'histoire sera écrite, on dira que sous Fatih, sous sa veille, la Gécamine a produit d'abord 20 tonnes au lieu de 8000. Ensuite, elle est allée à 8 l'année passée, deuxième année de Fatih. Oui. Et la troisième année, 2 ou 3? 2, si, oui. Et notez bien que les 8 tonnes là, si vous mettez une famille à Kassoulou, Kassoulou c'est un village à Kolozi, vous mettez une famille dans un trou, ils vont vous produire les 8 tonnes en une semaine. C'est triste. Et alors, c'est les mêmes gens qui vont dire partout, nous allons accompagner le président dans son chose, tout ça. Mais dis papa, 8 tonnes, avec 8 tonnes. C'est incapable de produire 10. Vous êtes en 8. 8, c'est en lingala, on dit Mwambe ou Yann? Oui, Mwambe. En Kikongo, Nana. Nana. Baton, Nana. Koval. On prend l'autre tableau. Alors, regardez ce qui se passe. Oui. C'est pour cela que moi, je suis révolté. Révolté. Je vais d'abord vous donner une analogie pour que vous puissiez comprendre. Une usine, et je crois que, voilà, vous allez voir, un minier circule toujours avec des trucs bizarres. Hein. Oui. Ça, c'est la malachite. Ça, c'est la malachite. Et ça, ce que vous voyez de rose, c'est le sel rose de cobalt. Donc, j'ai touché le cobalt. Voilà. Mais il est dans la forme où il est dans la nature combiné. Donc, ça, quand les gens vont dans une mine, c'est ce qu'ils cherchent. Quand on dit la mine de cuivre, on sort ça. Ce n'est pas un métal. Il faut le traiter pour avoir le métal. Le métal, donc ça, c'est le métal, il est rouge. Ça, c'est le cuivre. Ça, c'est la malachite. Le cuivre est là. Il est à l'intérieur. Il est lié au carbone, à l'oxygène, etc. Ce n'est pas du cuivre fini. Ce n'est pas du cuivre 100%. Donc, il faut les traiter. Alors, regardez les graphiques là. Quand vous allez faire un traitement, vous n'allez pas tout récupérer. C'est comme quand vous allez chez l'homme qui a un moulin pour votre maïs. Vous allez voir que quand vous venez récupérer le maïs, vous le trouvez tout blanc parce qu'une partie du maïs est partie dans la nature parce que vous ne pouvez pas récupérer tout. Alors, la mine, c'est aussi comme ça. Vous allez puiser 100 litres, mais vous n'allez pas arriver avec les 100 litres. Alors, imaginez quelqu'un qui va à la rivière, il puise dans un bassin. S'il puise dans un bassin et qu'il transporte sur la tête, il arrive avec, sur 10 litres, il va arriver avec 3 litres. Non, probablement. Si ça arrive 3 sur 10, c'est 30%. Donc, il n'a récupéré que 3% alors qu'il avait puisé 10 litres. Maintenant, s'il prend un seau et qu'il bouge, il peut commencer avec 10 litres et terminer peut-être avec 6 ou 8. S'il prend de l'eau dans un bidon, il peut commencer avec 10 litres, il arrivera avec 9 litres. Et là, s'il n'y a pas de couvert, mais s'il couvre bien, il rentre avec... Donc, la méthode, tout le monde transporte, mais tout le monde n'a pas la même méthode. Ceux qui ont une mauvaise méthode récupèrent moins, comme celui qui récupère avec les bassins. Celui qui utilise la meilleure méthode récupère plus. Alors, dans les mines, dans le monde, chez tous les gens civilisés et normaux, on fait tout pour que, comme ce sont des ressources qui ne sont pas renouvelables, il ne faut pas en perdre. Lorsque vous exploitez, vous récupérez 90% ou plus. Il y en a qui récupèrent 95%. Donc, du sol jusqu'à la fin. 90%. Maintenant, ce que je vais vous donner, c'est ce que la Gécamine fait. Okay. Quand elle envoie les gens au travail avec des salopettes, ils récupèrent tout ça, et le travail, ils récupèrent combien? Okay? Alors, regardez le tableau.
2010, pendant que les champions étaient en train de réfléchir, la GKB récupère 60% du cuivre. Elle perd 40. 40 sont dans les rejets. En 2017, la GKB ne récupère plus que, vous avez une meilleure vue que moi, c'est 33%. Vous vous rendez compte? Et dans cette période-là, la GKB récupère à peu près 47%. Donc sur 100 tonnes, ce qu'elle termine pour vendre, ce qu'elle récupère pour vendre, elle jette plus qu'elle n'a récupéré. Christian, je te dis, j'ai été dans les mines en Australie, au Canada, et je n'ai jamais vu un endroit où on travaille comme ça. C'est fait à dessein ou c'est par ignorance? Ça signifie, ça signifie que c'est l'incompétence en vraie grandeur. C'est à l'état la plus pure. La pureté de l'incompétence. La pureté de la stupidité. Parce que, regardez pour le cobalt, parce que c'est plus grave. Pour le cobalt, c'est... pour le cobalt, s'il peut nous remettre... oui. Le cobalt, en 2010, on récupérait 22. Oui. Ah non, mais ça, c'est grave, quoi. Ouais. On récupérait 22, oui. Mais là, en 2017, oui. 3%. 3%. 3%. 3%. On récupère 3%. C'est-à-dire que les restes, ça aboutit dans des rejets parce qu'on n'a pas une bonne technologie, parce qu'il n'y a aucun sérieux là-dedans. Tant que la GKB est alimentée par les dividendes des partenariats, on peut se la couler douce. On n'a aucun sérieux par rapport aux 4 gisements qu'ils gèrent. Ils les gèrent, ils gaspillent, et depuis, tiens-toi bien, depuis 1990, ça fait 30 ans que la GKB travaille à perte. 30 ans de perte. 30 ans. Ça n'existe nulle part au monde. Vous ne trouvez pas une société qui travaille comme ça. Et ça, ce n'est plus la gestion stupide des ressources. Parce qu'au moment où vous avez un budget de 10 milliards, il faut produire pour vendre, pour avoir l'argent. Bien évidemment. Il ne faut pas une gestion intelligente. Alimenter, terminer les stocks et aboutir dans les rejets. Vous comprenez? C'est la gestion stupide. Quand vous faites ça, Christian, ce n'est plus même une gestion stupide de ressources. Moi, j'ai trouvé que le mot stupide n'était pas assez fort. Donc, même le mot stupide n'est pas assez stupide, quoi. Non. Non, il n'y a pas en français un mot qui peut traduire ce qui s'est fait au Congo, ici, dans la négligence la plus totale. Moi, j'ai appelé ça, j'ai créé un mot. C'est, je l'ai dit en anglais, c'est bonobo management. C'est le management des bonobos. Oui, oui. C'est le prof Bakande déjà qui dit ça, que c'est un parc animalier où les gens font ce qu'ils veulent. Vous ne pouvez pas. Et les gens font le matamor. Oui. Avec ces résultats-là, dans aucun pays du monde, vous ne pouvez avoir une société qui travaille comme ça. Et on la laisse travailler. Pendant 30 ans. C'est 30 ans. Mais c'est pire maintenant, parce que vous avez vu, maintenant ils ne produisent que 8 tonnes. Parce que le reste, c'est pas, ça part où? Et si on va comme ça, en 2 ans, 3 ans? Et avec ça, on ne peut pas réussir un mandat présidentiel en laissant les métaux que tout le monde recherche dans le monde gaspiller comme ça. C'est grave. Alors, vous parlez aussi d'un autre point, c'est la simulation ventre à l'alti. Alors, on doit me signaler si nous avons débordé dans le temps. Ok. Je ne pense pas. Je vais vous dire que vous avez vu les contrats, les nombreux contrats que la GKB a signés. Oui, je vais vous donner juste une illustration. La GKB a signé plusieurs contrats. Si vous regardez l'année 2017, s'il recule un peu très vite, s'il peut reculer. Très bien. Toujours alors, Libousso. Encore un peu. Toujours en sous-sous. Encore. 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 Reculant, tout en dessous, ici. Voilà. Vous avez vu les contrats, hein? Les contrats qui ont été signés. Oui. Et qui n'ont pas été publiés. C'était secret. Je crois que la Fonds monétaire a dû faire pression pour qu'on les publie.
Et on les découvre. Et parmi les contrats qu'on a publiés, il y a celui-ci. Ah, vous avez chose. Et je vais vous demander de, sans citer le nom de la société, oui. Vous allez lire la page là. D'abord la couverture, vous allez voir que c'est un contrat de vente et d'achat portant sur à 2,5% des royalties sur le projet M. N'est-ce pas? D'accord, oui. Vous avez lu avec moi? Ah oui, j'ai vu. Hein? M, oui. Sur le projet M. M, oui. OK. Maintenant, nous allons dans le paragraphe 2.2. Le prix des cessions des royalties est de 5 ans. Nous sommes où? 2.2, là où il y a les petits trucs chauds. Ah, d'accord. 2.2. OK. Le prix de cession de royalty est de 55 millions de dollars. Ouais. Le prix de cession, lequel sera payé en un versement unique à la réalisation. OK. Donc, c'est-à-dire que le projet M, dans le projet M, les savants, les grands gestionnaires de la Gécamines ont trouvé qu'il fallait que les royalties puissent être vendues. Au lieu de les encaisser eux-mêmes, ils disent non, nous les cédons à quelqu'un d'autre. Maintenant, moi, je veux ce projet. J'ai la chance que, en 1990, avec mon Mbaka, qui était mon mentor, nous avons travaillé sur ce projet au moment où la mine de Kamoto s'est écroulée. Il fallait trouver des solutions pour redémarrer la Gécamines. J'ai travaillé sur ce projet-là il y a 30 ans. 30 ans. 30 ans. Je crois que tu étais à l'école primaire. Bon. Oui, si, il y a 30 ans, ce que j'étais encore à l'école. Oui, oui, c'est ça. Alors, j'ai travaillé sur ce projet et ce projet-là, je le connais recto et verso. Oui. J'ai pris un parmi la multitude là pour illustrer la gravité. La gravité. Et je dois dire que le M là, c'est le nom d'une entreprise qu'on ne cite pas, hein, qu'on ne continue pas. Le M là, moi je l'ai ici, le nom est là. Oui. Ouais. Alors nous retournons sur maintenant la bonne page. La bonne page. On va revenir. C'est la... Qu'est-ce que c'est les royalties? Ouais. Et comme on n'a pas beaucoup de temps, oui. Je vais vous dire que ces royalties devaient permettre à la Gécamines de recevoir 50 millions chaque mois. Chaque année, pardon. C'est-à-dire en 2019, elle aurait reçu 5 ans. C'est un projet de 15 ans. Oui. 2019-50, 2020-50, 2021-50, etc., etc., jusque chose. Alors, quand vous regardez 5 ans, 15 ans, c'est deux mandats. Ça peut être... Bon, maintenant, nous sommes dans le FACI numéro 1. On peut avoir FACI numéro 2. Et le troisième mandat, j'ai mis un président fictif qui s'appellerait Moukoko. Moukoko. Vous auriez pu mettre Bossembe. Fils Moukoko. Bon, Bossembe. Alors, regardez que les royalties, là, ça signifie quoi? Pour ce seul projet, Mais il y a une trentaine de contrats qui ont été signés. Pour ce seul projet, ces royalties signifient que sous les 5 ans ici, le seul royalty aurait rapporté 250 millions. Dans les deuxièmes mandats du président qui suivra, 250. Dans l'autre, ça fait 750 millions. Mais la Gécamines a préféré les vendre à quelqu'un que moi j'appelle Tito. Parce que vous avez écrit Tito et consort. Tito et consort. Et vous voyez, j'ai écrit BVI, oui. British Virgin Island, parce que c'est les îles Vierges britanniques. Oui. C'est les endroits où vous pouvez créer une société. Et on montre seulement quelqu'un là, mais... derrière, il peut y avoir Bossembe, il peut y avoir c'est lui-même qui engage, qui vend. Il peut être déjà lui-même là. Regardez la conséquence. Donc, vous avez vendu, ils ont vendu 750 millions de dollars à 55 millions. Donc, Tito et consorts en poche. Ils ont empoché 695 millions de dollars. Oui, net. Net. 13 fois leur mise. 13 fois leur mise. C'est ça l'implication. Ça signifie quoi? Ça signifie que cet argent qui devait aller au trésor public pendant le mandat de Fatshi, les gens vont attendre Fatshi, t'as les langues ici, c'est Makambo, tout ça. Il n'a pas d'argent. L'argent, on l'a engagé avant. Le contrat est piégé, le mandat est piégé. À la première minute. Ça, c'est un contrat. Un contrat. Alors qu'il y en a beaucoup, on a cité. Alors, je vais vous montrer très rapidement
trois contrats. J'ai fait un petit calcul rapide sur trois contrats. Alors, il peut nous montrer le suivant. Le suivant, celui... Oui, toujours sur le royalty. Oui. J'ai fait un calcul rapide sur trois contrats. Calcul rapide. Et j'ai 35 ans dans les mines, papa. J'ai vu les mines en Australie, au Canada, et tout ça. Je connais ce métier-là, comme ma poche. Eh bien, sur trois contrats où la même chose a été faite. Mais il y a des contrats, notés en passant, il y a des contrats qu'on n'a pas publiés. Mmh. Ils sont encore secrets. Mmh. Les champions, là, ont caché encore. Mais sur trois contrats, là, c'est 8 milliards que, choses qui sont parties. Mmh. Et en prenant un prix, quelques prix, tels qu'on les a entendus, la RDC n'a eu que 500 millions. Aurait eu 500 millions, mais il faut avoir le contrat pour choses. Et donc, Tito, parce que les Quinois aiment beaucoup, papa Tito, oui, Tito, hein, oui. Tito, je l'ai appelé Tito. Tito, parce que Tito, c'est quelqu'un qui arrache les biscuits des enfants et tout ça. Tito et consort, ils ont pris au Congo, sur les trois contrats seulement, 7 milliards de dollars. Donc, vous me dites qu'un groupe d'individus a pris 7 milliards de dollars. Mais oui, c'est parti. C'est parti. C'est-à-dire, ce sont des revenus futurs que, qui sont déjà partis. Même les gars qui a signé, même s'il n'est plus au pouvoir, s'il s'entend bien avec Tito, ou s'il est par impossible parti de la société, parce qu'aux îles Vierges, on ne dit pas qu'ils sont les propriétaires de la société. Mmh. Vous comprenez? Mmh. C'est ça l'avantage ou l'inconvénient. L'avantage pour le voleur, l'inconvénient pour nous. Bon, hein, pour nous, le Congo. Parce que, et vous vous rendez compte, la GECAMINA, des cadres qui ont travaillé des années, qui attendent d'être payés en pension. Et on ne les paye pas. Le personnel de GECAMINA, c'est l'un des meilleurs, je vous dis. C'était la crème. La GECAMINA triée sur le volet. Les 8000 agents qui sont là, ce sont parmi les meilleurs Congolais que vous avez. Ils ont travaillé dur. Mais parfois, l'argent qu'on aurait pu avoir à la GECAMINA pour les payer, il est détourné. L'argent qui aurait pu servir au mandat du président, il est détourné. C'est pour ça que j'ai dit, les contrats, le mandat ici, il est piégé. Il dépend des mines. Il dépend de l'intelligence qu'on appliquera aux mines. Alors, vous parlez de l'enseignement. Remettez l'enseignement gratuit fonctionnaire. Oui, parce que, bon, nous avons l'enseignement gratuit. Ça coûte de l'argent. Oui. Nous l'avons comment? C'est si le projet paye. Vous avez vu, au début, je vous ai dit, sur 41 milliards, on avait eu 1 milliard. 1 milliard. On a pris 42 milliards. Tout est parti. Or, les 42 milliards pouvaient aider à construire des routes. Mais là, avec ça, c'est les 15 prochaines années qui sont hypothéquées. C'est-à-dire l'enseignement gratuit, on va peut-être se débrouiller. À moins qu'on réfléchisse sérieusement. Et c'est ce qu'on va faire tout à l'heure avec vous. Alors, le prochain tableau, il est tout dernier d'ailleurs. C'est objectif impératif et réalisable aux contributions minima de 25%. Donc, je soutiens, pour terminer, que, à l'allure, la transition énergétique, comme vous avez pu le voir, va faire une demande de métaux que nous avons au Congo. Et le Congo est positionné pour en tirer profit. Parce que, remarquez, le cuivre, il se vendait à 6 000 dollars, 5 000 dollars pendant le Covid, quand le Covid a commencé. Hier, il touche à peu près 10 000 dollars la tonne. D'après les projections, le cuivre va se vendre à 12 000 dollars. L'or se vendait presque à 2 000 dollars l'once. Le cobalt, regardez la demande, et ça viendra du Congo. Donc, le Congo va beaucoup donner au monde, mais s'il n'y a aucune intelligence ici chez nous, par rapport au secteur minier, papa, nous ne verrons que la poudre. Moi, je soutiens que le Congo peut tirer profit de ses ressources. Comment on fait, Mouchela, je vous ai reçu, nous avons passé plus d'une heure en train de parler de la problématique. Ouais. Maintenant, vous ne partirez pas sans nous dire exactement qu'est-ce que l'on fait pour arrêter la chose. Comment on fait pour sauver ce mandat? Comment on fait pour réussir? Alors, moi, si vous revenez au 8 milliards, là, un peu, deux pas en arrière. Oui, deux tableaux en arrière au mot pour terminer. Quand vous regardez là, Christian, c'est là. Ce contrat-là, si vous lisez la Constitution, je me risque un peu à entrer dans la Constitution, parce que je sais que... Vous aider, c'est l'article 56 et 57. 56 et 57. Oui. Je sais que le prof Mbata n'aime pas que les chimistes parlent de la Constitution, mais pour une fois, nous entrons un peu, parce que les mines et l'avenir de nos enfants est en jeu. On ne peut pas engager
un pays à la légère et venir donner des leçons aux Congolais qu'on a affamés. Donc on peut résilier ou revenir sur le contrat. On doit. Oui. On doit. Mmh. On doit. Par équité. Par équité. Alors je vais vous lire là. Parce que. Oui, allez-y. Si la Gécamines avait besoin de cet argent, elle aurait pu emprunter auprès d'une banque les 55 millions. Mmh. Même avec un taux d'intérêt exorbitant. Ça se comprendrait. Mais céder 750 millions de dollars pour empocher 55 millions dont on ne voit même pas l'impact, c'est parce que vous avez vu, c'est pour produire 8 tonnes. C'est de la folie, à la limite. C'est la gestion bonobo. Bonobo. Alors, alors, pour terminer cette émission, je voudrais que vous puissiez nous dire comment vous avez entendu et suivi les quelques phrases de Yuma, Albert Yuma. Ouais. Si vous le voulez, je peux vous lire parce que j'ai le prix. Il dit, comment peut-on expliquer que la Gécamines qui donne assez de richesses aux Congolais, mais que le Congolais puisse continuer à vivre avec moins d'un dollar par jour? Je pense que c'est la conséquence des mauvais choix ou d'orientations qui ont été dictées en fin des années 1990. Vous avez vu que la Banque mondiale n'a jamais envoyé le Congo ici pour forcer les gens à signer des contrats. Mmh. La Banque mondiale, voyant que la Gécamines perdait plus qu'elle ne produisait et qu'elle travaille à perte depuis 90, j'ai les états, les rapports annuels ici, depuis 90, la Banque mondiale et la Gécamines travaillent à perte. Ils ont dit, mais écoutez, au lieu d'avoir des ressources que vous gaspillez sans impact, pourquoi ne pas les confier à des partenaires que vous gérez, vous signez vous-même. Et nous avons signé nous-mêmes. Et même quand nous avons mal signé, nous avons eu l'occasion de faire la revisitation en 2007. Elle a duré 2 ans pour équilibrer. On ne peut pas se plaindre. On ne peut pas se plaindre. Et même après, à partir de 2010, vous avez vu le nombre de contrats qui ont été signés. Ce n'est pas la demande de la Banque mondiale. La Banque mondiale n'a jamais forcé quelqu'un. Non, monsieur Yuma, ce n'est pas la Banque mondiale qui dit aux gens qui sont à la Gécamines de produire 8 tonnes. Est-ce que c'est Yuma nous a menti? Que la Banque mondiale a fait... je crois que... Je ne sais pas de quelle banque il parle. Parce voici que ce n'est pas vrai. Voici ce qu'il dit. Parce que ces entreprises ont pris nos gisements. Elles sont allées les donner en garantie à des banques étrangères. Et elles ont emprunté. Au lieu d'amener les capitaux qu'elles nous avaient promis, c'est des prêts qu'elles nous amènent à des taux qui dépassent 10%, alors que nous savons qu'elles avaient à 2 ou à 3%. Bon, j'ai du mal à... ça me fait beaucoup de la peine quand je vois que quelqu'un qui a engagé 750 millions de dollars... 750 millions de dollars de royalties contre 55 millions. Si vous calculez comment, quel est le taux d'intérêt qu'on peut appliquer à 55 millions pour avoir 750 millions, c'est faramineux. C'est très difficile qu'on donne des leçons aux gens. C'est honteux. Je crois que il a raté l'occasion de se taire. C'est la FMI et la Banque mondiale qui nous ont conseillé. Et qui nous ont dit, vous, l'État congolais, vous n'avez pas les moyens financiers de maintenir et de développer vos actifs miniers. Mmh. Nous vous conseillons gentiment de céder ça à des partenaires techniques financiers internationaux qui ont des moyens et ils vont développer ça à votre place. C'est l'erreur fatale que nous avons faite et qu'on ne devrait jamais faire dans nos pays africains. Bon, vous avez vu la Zambie, sur 100 dollars avec les privés, 24. Oui. Le Chili, c'est 29. Oui. Nous, c'est 2. Nous, c'est quel type de... On a donné nos mines à des spéculateurs. Mm. Et ce n'est pas la Banque mondiale qui a dit aller donner à des spéculateurs. Vous voyez. Ils contestent peut-être le mot de financement. Les gens auraient dû amener des capitaux eux-mêmes au lieu d'aller emprunter. Mm. Mais ce qui est le plus pénalisant ici, c'est quoi? C'est le fait que les mines ne nous rapportent pas. Et si les mines ne nous rapportent pas, et c'est là que je réponds un peu à ta question, comment est-ce qu'on peut... Il y a 15 points sur lesquels il faut toucher pour optimiser les retombées du secteur minier, de manière à ce que sur 100 dollars, nous puissions récolter 30 dollars, 30%. Et ça demande beaucoup d'intelligence. Et ces 15 points... C'est toute une émission. Est-ce qu'on peut Je vous promets que si vous voulez, je peux le développer dans une émission. D'accord, on le fait dans une autre émission.
Merci beaucoup, ingénieur Ngoué Mouchila. Je rappelle que vous êtes ingénieur en chimie, vous avez 30 ans d'expérience dans le mine, et aujourd'hui vous êtes un consultant. On vous consulte pour expliquer des choses, mais je crois que je voudrais encore que vous puissiez revenir prochainement ici pour parler de ces 15 points, parce que les gens en ont besoin. Ok. Alors, il faut dire que votre livre est là, il est disponible. Hein? Oui, quelqu'un l'avait acheté, ça a été brûlé. Ah, d'accord. Ah, quelqu'un l'a brûlé. Oui, ça avait été brûlé. Monsieur Youma. Ça, c'est les rares survivants. Monsieur Youma et son cabinet ont dit que votre rapport était un pamphlet, parce que c'était rien, quoi. C'était juste de la littérature. Si je demande un peu l'indulgence, est-ce que on peut nous montrer le graphique de la production? C'était quel, le 50e numéro? Là où il y a l'avant-dernier, est-ce qu'il peut nous remontrer? Au mot l'avant-dernier, non, pas non. Ça. Il peut remonter remonte encore. Vous voyez, encore? Encore, s'il te plaît. Encore. Voilà. Vous voyez, ça c'est la planification des meilleurs experts que nous avons, les donneurs de leçons. Ils ont projeté de faire 100 000 tonnes. Mais après, ils ont fait... Et 8 000 tonnes à partir de 2016, pas hier. 2016. Regardez la réalité. 8 tonnes l'année passée. Cette année, 2 tonnes. Merci beaucoup. C'est la meilleure réponse qu'on peut donner. Merci. Et je pense que ce pays n'a pas besoin de farceurs pareils. C'est un crime. Mesdames et messieurs, c'est un grand honneur de vous retrouver. Je vais vous retrouver très prochainement avec le même invité, l'ingénieur Mouchila. Ça ne peut se passer qu'ici, de toute façon, où vous aurez toutes les intelligences comme ça. Je vous rappelle que nous allons revenir encore pour parler des 15 points maintenant pour développer. On vous laisse ruminer. Je comprends l'énervement, je comprends la colère et ce qu'il y a comme rage chez vous. Je vous retrouve très prochainement. Merci beaucoup. Et s'il y a des questions, oui, parce qu'on a pédalé assez vite, oui, oui. S'il y a des questions, on peut zoomer sur les points. Oui, dans le commentaire. Posez les questions dans le commentaire, envoyez-nous les questions. Nous allons faire revenir l'ingénieur, le docteur en mine. On va le faire revenir, comme ça on va discuter. Et si vous pensez que tout ce qu'il a dit est faux, eh bien, vous pouvez revenir ici, il n'y a pas de problème. Surtout les experts. Hein, et si quelqu'un veut un débat par rapport surtout à ces documents-là, oui. Le rapport? Le grand syllabus. Le rapport, oui. Oui. S'il y a quelqu'un qui veut un débat, il peut venir, mais je peux parier qu'il n'y en aura pas. On se retrouve très prochainement. Portez-vous bien, qu'elle a peur que ton esprit et que Dieu bénisse les hommes. Les parfums d'Igor, fabriqués à base de plantes naturelles. Aïcha Borozov, Santal Chic, Neptune, Aïcha Igor de Paris, maintenant à Kinshasa. Pour rester frais et sentir bon, n'oublie jamais ça. Appelez-nous à partir de la France au +33 783 057 114. En Belgique, au +32 487 433 214. À Kinshasa, venez au local 59 de l'immeuble Beautour, en face de Léon Hôtel. Appelez +243 82 24 54 248. Les parfums d'Igor, n'oubliez jamais ça. Le parfum d'Igor de Paris. Debout congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Guinée aux hommes, ciseaux binois, Daïmata, Chino, Tuenélé, Nakinia, Panapiko, Namosala, Toto, Gabo, Kakule, Kakitoko, Nakinia, Panakongo. Loyer Bolonde, Nelani, Sangha.